j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo information et on va parler des nouveautés qui vont arriver sur Hut dans la mise à jour de demain sur Server Test. Mais avant toute chose, j'aimerais juste qu'on parle de la dernière vidéo qui est sortie concernant le cargo ship. Les gars, vous avez explosé le nombre de vues et de likes à la minute. On n'avait jamais eu ça sur la chaîne et merci, mais juste une petite chose, vous êtes encore 91% à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc moi j'ai envie de savoir un truc, est-ce que vous regardez juste une vidéo comme ça ou vous venez souvent regarder des vidéos d'infos sur Rust ou Ark? Mais finalement les gars, abonnez-vous, comme ça au moins vous serez au courant de toutes les infos, à savoir déjà sur Rust principalement et du reste encore si ça vous intéresse. Après je dis ça, je dis rien. Donc pour commencer, la mise à jour arrivera demain, donc le 29 juin. Il est actuellement 22h13 quand je suis en train de parler, le 28 juin, donc c'est juste ce soir pour demain. Donc, premièrement, dans cette mise à jour, on aura pas mal de nouveautés niveau équilibrage des serveurs par rapport à certaines mécaniques, des refontes de skins sur certains items, etc. Ce qui nous a été annoncé pour le moment, mais on n'en sait pas encore plus, on aura la liste détaillée demain de ce qu'il y aura de nouveau, mais ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y aura un recycleur en plus au Bandicamp. Le viseur simple va être changé au niveau du skin pour qu'il soit le même que sur PC, et aussi augmenter le nombre d'objets qu'il y aura dans les caisses de butin de la PC. Il y aura aussi un correctif qui modifiera le skin du marteau piqueur pour qu'il soit encore plus beau. Donc tout ça, c'est ce qu'on sait pour le moment, mais ce qu'il y aura dans la mise à jour de demain sur les serveurs test. Donc je vous dis à demain pour la liste détaillée. Sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, allez salut!